Hello, bienvenue dans cette nouvelle séance d'entraînement d'élastique natation à la maison. On va aujourd'hui utiliser les élastiques de natation nageur 2.0. Donc si tu les as pas encore, bah, tu peux les commander dans la description et on va faire une séance ensemble en direct. Donc pour commencer, tu auras besoin de prendre un élastique séparément seul pour l'échauffement. Et puis aujourd'hui, c'est une séance sur lequel on va uniquement se concentrer sur les exercices de nage. Donc on va se faire une séance vraiment purement natation qui va être du coup un peu plus courte. Ça devrait durer moins de 50 minutes, cette fois-ci peut-être 30 minutes si on avance efficacement. Donc les deux paddles évidemment avec un élastique accroché de chaque et puis l'attache qui est fixée en hauteur. Hein, on privilégie toujours une attache le plus haut possible pour avoir à se pencher le moins possible en avant. On est parti donc, on commence avec l'élastique. Premier exercice, on va venir effectuer des rotations avec les bras. Donc on va garder les bras tendus, puis on va effectuer une rotation. Donc moi je commence avec le bras gauche vers l'arrière, puis je ramène le bras droit vers l'avant. On va faire 5 tours comme ça, et puis on va changer dans l'autre sens. Cette fois-ci avec le bras droit vers l'arrière, et je ramène ensuite le bras gauche vers l'avant. Ça permet un peu de mobiliser les épaules. On commence en fait à chercher à mettre un peu plus d'amplitude dans nos mouvements, hein, parce qu'au quotidien, les épaules ne bougent pas autant. Et ça va permettre de commencer à apporter un peu un afflux sanguin au niveau de l'articulation, donc de bien l'irriguer pour pouvoir commencer notre activité sans risque de blessure. Deuxième exercice, toujours avec les élastiques bien tendus. On peut évidemment rapprocher un peu en fonction de sa souplesse, hein, c'est un peu au choix. Et puis on va aller d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Ça c'est pareil, hein, toujours un exercice de mobilité articulaire. L'élastique, c'est intéressant que c'est comparé à un bâton, bah, ça permet un peu en fonction de notre souplesse, bah, quand on sent que c'est un peu dur, on peut écarter un peu l'élastique pour aller d'avant en arrière. Ça c'est vraiment un bon exercice pour venir échauffer tout ce qui est autour de la sangle scapulaire. On va s'en faire encore 3 de plus. 2. Parfait. Allez, troisième exercice pour compléter l'échauffement. Cette fois-ci, on va attraper l'élastique. Plus on va prendre serré, plus ça va être difficile. Hein. Donc, en fonction de la force de chacun, on peut prendre plus large. Et puis, on va venir écarter ici les bras jusqu'à ce que l'élastique vienne toucher la poitrine. Là, c'est un exercice qui va permettre un petit peu de commencer à engager les muscles du dos. On va sentir particulièrement les trapèzes parce que le simple fait de garder les bras tendus, ça engage les trapèzes. On va sentir un peu l'arrière de l'épaule. On va sentir les muscles qui sont entre les omoplates. Je ne veux pas dire de bêtises en termes d'anatomie, donc je ne vais pas mouiller pour cela. Je crois que c'est l'infra-épineux, mais j'en suis pas certain, ou le grand dentelé. Ok, on va refaire la même chose cette fois-ci dans l'autre sens. Donc on va tenir l'élastique toujours aux extrémités et puis on va venir ramener devant, donc l'élastique est bien positionné dans le dos au niveau des épaules, puis on va ramener devant. On peut éventuellement se cambrer un petit peu comme ça pour davantage engager les pectoraux, donc les grands pectoraux qui sont juste ici au niveau de la poitrine, et on doit sentir que ça permet un petit peu aussi d'échauffer l'avant du coup du buste, la face antérieure. Comme ça, on a équilibré un peu l'ensemble des muscles, on a échauffé l'arrière, on a échauffé l'avant, on a commencé à attaquer en mobilité les épaules. On peut continuer un petit peu si on est plutôt avec des épaules raides, moi à la base c'est ça. Donc ça va me permettre un petit peu de continuer à mobiliser les épaules pour être bien certain d'avoir échauffé comme on le désirait. Ok, on a fini pour l'échauffement, ça a duré un petit peu moins de 5 minutes, c'est parfait. On va pouvoir attaquer. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à fixer ton attache en hauteur à une porte, à une fenêtre, éventuellement à un barreau. Enfin, peu importe, là où tu te trouves, c'est relativement facile. Plus ce sera haut, moins tu auras besoin de te pencher. Voilà, si tu veux le faire un peu plus bas, ça va te demander un peu plus de te pencher vers l'avant. Et puis d'enfiler les plaques. Alors, les plaques, hein, L, left. R, right, donc sur le L on met la main gauche, sur le R on met la main droite, il y a un sens, c'est beaucoup plus pratique. On n'hésite pas à sortir le pouce à l'extérieur pour avoir une meilleure tenue.
Et puis, on va venir se placer dans le prolongement. Donc, on va faire une première partie un peu plus technique. La première partie technique, on va travailler d'abord le roulis des épaules. Donc, le roulis des épaules, je me mets ici face à toi. C'est le fait que les épaules pivotent et s'engagent vers l'avant à chaque fois. Et puis, on va travailler également la phase de prise d'appui initiale, qui est une phase qui est difficile à ressentir quand on est dans l'eau, quand on est en nage complète. Et on a pas mal de nos nageurs 2.0 qui s'entraînent avec les élastiques là pendant tout l'hiver parce que les piscines sont fermées et qui nous disent qu'ils ont de super ressentis qui est bien plus intéressant par rapport à ce qu'ils avaient jusqu'ici. Donc les élastiques vont vraiment permettre, même si les piscines ne sont pas fermées, de pouvoir travailler techniquement et c'est intéressant, c'est pour ça qu'on va faire ça. La deuxième partie avec toujours les plaques, on fera un peu plus d'entraînement, un peu plus de nage, un peu plus de cardio pour maintenir notre condition physique et puis potentiellement notre niveau de qu'on avait jusqu'ici. Alors on commence, premier exercice, donc je me mets, je peux me reculer plus ou moins pour avoir de la résistance ici. L'idée c'est vraiment de fléchir les genoux, les fesses vers l'arrière, je verrouille bien la sangle abdominale, le buste est droit. Donc voilà, j'ai du contrôle au niveau du bassin, rétroversion, antéversion. Je me positionne de sorte à être en position neutre. Et puis, avec les mains, je vais chercher à avancer une main, puis l'autre. Voilà, un coup la main gauche, un coup la main droite. Et pour ce faire, eh bien évidemment, il faut faire pivoter les épaules. Alors on peut céder un petit peu du bassin, on peut faire légèrement tourner le bassin, ce n'est pas un problème. En crawl, ça arrive pour beaucoup de nageurs. On vient légèrement pivoter le bassin. Généralement, ce que je recommande toujours, c'est que le bassin ne tourne pas plus que la ligne d'épaule, parce que c'est difficile dans l'eau de garder du contrôle si on a le bassin qui pivote trop. Mais voilà, on peut engager le bassin, ça permet de libérer davantage l'articulation de l'épaule, ça permet donc de tourner davantage au niveau du buste. Et quand on a un dos qui est un peu plus raide, qui n'est pas hyper souple, c'est quand même bien pratique pour pouvoir nager le crawl. Ok, premier exercice, on a fait une douzaine de répétitions. C'est vraiment technique, on fait ça aux sensations, hein. Il n'y a pas d'obligation. On va se redresser, on va se relâcher et on va faire le second exercice. Donc là, on souffle bien, on détend le dos parce que souvent cette position-là, ça ne sert à rien de la tenir 5 minutes. Hein. C'est intéressant, c'est d'alterner temps de pause et temps de travail. Et ici, on va faire le premier exercice avec le bras gauche. Donc, mon épaule est engagée, hein. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice du roulis. La main est loin devant. Et puis, je vais faire uniquement un mouvement avec l'avant-bras. Donc là, je vous fais la démonstration. Ici, mon coude reste au même endroit. Il n'y a que ma main et mon avant-bras qui viennent se déplacer de sorte à ce que mon avant-bras arrive jusqu'à la verticale. Ok, donc là, on l'a répété 2-3 fois. Vous commencez à voir le mouvement. Donc l'exercice maintenant qu'on va commencer, c'est une fois je ramène, la deuxième fois je fais le geste en entier. Donc, phase initiale de prise d'appui et à nouveau prise d'appui. Plus je pousse, je tire, je pousse. On pense à bien engager la main devant. Je tire, je pousse. Je tire, je pousse. Je tire, je pousse. Et si on va porter vraiment un petit truc complémentaire qui peut être intéressant en termes de coordination, parce que ce n'est pas évident ensuite de le reproduire dans l'eau, donc autant le faire bien en dehors de l'eau. Au moment où je tire, donc j'ai ma main qui est devant. Et puis quand je vais pousser, c'est l'autre épaule que je vais avancer. Je vais bien insister sur le fait de réaliser le roulis avec les épaules. Évidemment, attention, là ma tête, elle regarde la caméra pour que vous entendiez ma voix. Mais dans l'idée, on va faire ce mouvement en gardant la tête fixe. Donc on va prendre un point de repère au sol. Moi, je vois qu'il y a un petit symbole sur le tapis juste devant moi. Donc ça, c'est parfait. C'est un très bon moyen de garder la tête le plus droite possible. Et voilà. Ok, donc là c'était plutôt démonstration. On va faire la même chose après avec la main droite. Pour le moment, on reprend l'exercice du roulis. Gauche, droite, je me tiens en position bien droite. Je me grandis, le buste est droit, la position fière avec la tête. J'avance et je recule. Ok, encore 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. On fait souffler le dos, on récupère.
On va refaire le deuxième exercice qu'on a vu précédemment, cette fois-ci avec la main droite. Puis on va attaquer directement. Je tire, je pousse. Ok? On est attentif au fait de toujours maintenir une position bien droite, bien fière, et particulièrement au roulis des épaules, parce que bah, c'est ce qui est intéressant ici dans cet exercice, de coordonner le roulis des épaules et le mouvement du bras. Ok, position fière, je suis prêt, je tire, je pousse. Je tire, je pousse. Je tire, je pousse. Tire, tire, pousse. Tire, tire, pousse. Tire, tire, pousse. Tire, tire, pousse. Tire, encore. Tire, pousse. Allez, encore deux. Encore une. Ok, je relâche. Donc là, si l'exercice il est bien effectué, on doit ressentir au niveau particulièrement des grands dorsaux ici, quand au moment où on les engage bien vers l'avant, quand on va tirer, bah, puisqu'ils sont bien étirés, on va pouvoir bien les contracter, donc on doit bien ressentir le mouvement. En crawl, les grands dorsaux, ils ont un rôle majeur, ils sont très importants dans la propulsion, c'est eux qui permettent vraiment d'avoir de la force, de la vitesse, hein, bien plus que le fait d'avoir des gros bras, c'est vraiment important d'avoir des dorsaux larges. On le voit, les nageurs, ils sont souvent taillés en V, donc avec un bassin très fin et des grands dorsaux les plus grands possibles, parce que plus on a des grands dorsaux grands et des massifs et un bassin fin, plus on a des privilèges par rapport à la natation et donc on est avantagé en termes d'anatomie. On est reparti à nouveau le roulis gauche, droite. Voilà, c'est un bon exercice, c'est les gammes, on les répète. Plus on les répète, plus c'est facile. On peut engager légèrement le bassin, on est attentif à ce que la tête ne bouge pas, on prend un point de repère au sol s'il le faut pour avoir son regard le plus fixe possible. Et puis on vient voilà, engager une épaule puis l'autre. Ok, encore 3, 2, 1 et je relâche. C'est vraiment pour cette raison hein, qu'on travaille toujours debout avec les élastiques et non pas allongé, parce que allongé c'est impossible d'avoir ce roulis des épaules. Et donc bah, tout ce qu'on va travailler, on ne va pas pouvoir le travailler dans de manière qui sont vraiment proches de la natation, on ne va pas pouvoir répéter un mouvement qui est proche de la mécanique de nage, et donc ça ne va pas en retirer autant de bénéfices que si on le faisait en position semi-debout, là, comme ça, avec les jambes fléchies. Allez, on est parti, tire, tire, pousse à gauche, tire, tire, pousse, tire, tire, pousse, et j'avance l'autre bras, tire, tire, pousse, tire, tire, pousse, ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche. On va enchaîner direct avec le bras droit. On reprend dans 5 secondes. Ça, on fait souffler le dos. On se détend. C'est pas la peine de chercher à rendre l'exercice plus difficile à ce niveau-là. C'est vraiment un exercice technique. Allez, à droite, la même chose. J'engage d'abord bien l'épaule. Je tire, tire, pousse. Et je projette avec l'autre bras. Tire, tire, pousse. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. On a fini pour le travail technique. Je vais en profiter pour m'hydrater un petit peu. On n'a pas particulièrement transpiré. Ce n'est pas une séance qui est très dure jusqu'ici. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'intensité. Le travail technique, c'est intéressant de le placer au départ parce que ça permet de finir l'échauffement sur un mouvement qui est très proche de ce qu'on va pouvoir reproduire par la suite. Et bien entendu, ça permet de progresser. Parce que c'est vraiment, comme dans toutes les activités sportives, les gammes qu'on va répéter, approfondir et puis finir par maîtriser à la perfection, que ça devienne complètement automatique. Donc là, ce que je vous ai préparé pour la suite, je vais regarder mes notes pour être certain de ne pas me tromper. On va commencer avec des exercices qu'on va alterner temps de travail et temps de pause. On va un peu faire comme on va simuler des longueurs. Donc on va travailler sur 30 secondes, un peu comme si on faisait un 50 mètres. Ça dépend un peu de la vitesse de chacun, mais voilà, c'est grosso modo l'idée. Et puis ensuite, 10 secondes de récupération. Donc
comme si on s'arrêtait au mur et qu'on repartait. Donc on va faire 4 fois 30 secondes en nageant le crawl de manière alternée sur son rythme de croisière habituel. Ensuite, on va varier le rythme. Donc on va faire 6 fois 30 secondes en progressif. Donc en progressif, l'idée, c'est que je commence lentement. Et puis au fur et à mesure des 30 secondes, je vais commencer à accélérer le rythme jusqu'à ce qu'à la fin des 30 secondes, c'est-à-dire peut-être les 5 dernières secondes, je sois à fond le plus vite possible. Bien entendu, le plus vite possible en essayant de garder un mouvement qui soit quand même relativement bien exécuté. Hein. Pas à battre des bras dans tous les sens, ça n'a pas intérêt. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être capable de changer de rythme et de mettre de l'intensité sans dégrader trop la technique. Et puis enfin, on va finir avec à nouveau 4 fois 30 secondes avec 10 secondes de récup. Donc en tout, ça nous fera 4 plus 6 plus 4, donc ça nous fera 14 longueurs de 50 mètres. Ce n'est pas énorme, mais ça permet d'avoir un entraînement supplémentaire dans la semaine facilement sans prendre beaucoup de temps. On va commencer. Alors moi, je vais lancer mon chrono, comme ça je vais pouvoir le faire avec vous. Tac. C'est parti pour 30 secondes de long. Allez, 1. Donc là, sur notre rythme de croisière, on a fait attention à bien se positionner. Si c'est trop facile, moi je vais même me reculer un petit peu pour avoir plus de tension dans les élastiques. Je suis attentif au fait de bien engager les épaules, le roulis que je viens de travailler. Sur la phase de prise d'appui aussi, je cherche à bien orienter mon avant-bras vers l'arrière, comme je viens de le faire précédemment avec l'exercice du tire-tire-pousse. Et puis j'essaye aussi de garder la tête droite pour être dans une position qui soit la plus proche de ce que j'ai envie de faire lorsque je vais retourner me mettre à l'eau en natation, que ce soit en eau libre ou que ce soit en bassin. On va être pas loin des 30 secondes. On les a même largement dépassés. On a été généreux. On a fait 45 secondes. Ça, c'est quand je bavarde. C'est toujours comme ça. Ok. Allez, on va reprendre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti pour 30 secondes. Cette fois-ci, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4. On est sur le rythme de croisière. On ne va pas forcément chercher à aller vite. On cherche à nager proprement. Techniquement, c'est bien posé. Voilà. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on devrait être à 30 secondes. 32 secondes, c'est parfait. Allez, on va reprendre 10 secondes de récup. On profite pour bien ventiler, on se repose, on redresse, on peut se détendre un petit peu le dos. Attention à ne pas avoir le dos rond, hein, même avec la fatigue, on garde une position propre avec le bassin bien verrouillé. C'est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, il doit rester moins de 10 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ça doit être bon, on fait même 40 secondes, toujours très généreux, je pense pas que vous vous en plaindrez, on rajoute un petit peu de temps. Ça fait pas de mal, il nous reste une dernière série comme ça et après on va faire du progressif. Cette fois-ci, je serai peut-être plus attentif aux 30 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rappelle pour le progressif qui va suivre après, on commence très doucement les 5 premières secondes et puis progressivement, on va chercher à augmenter la fréquence des bras jusqu'à finir à fond à la fin des 30 secondes. On essaie les 5 dernières secondes d'être le plus vite possible en gardant une technique qui soit raisonnablement maîtrisée. Ok, on va prendre 15 secondes de récup, on souffle un peu, parce qu'on a fait un peu plus. Au lieu de faire 4 fois 30 secondes, on a fait quasiment 4 fois 40 secondes à chaque fois. On a dit hein, l'équivalent de 50 mètres en fonction de la vitesse de chacun. On prend une moyenne à 40 secondes, c'est pas plus mal. Allez, on va repartir dans 10 secondes. Progressif, hein, je rappelle. On commence doucement et puis on accélère. C'était l'échauffement.
On va pouvoir un petit peu mettre d'intensité. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Je commence doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à accélérer un petit peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça accélère un peu plus. 16, 17, 18, 19, 20, 21. On est presque à fond. 22, 23, 24, 25, 26. Allez, on est à fond, on est à fond. 3, 2, 1, et on relâche. Très bien. Prends 10 secondes de récup. Vous avez compris le principe. On en a 6 comme ça. Il nous en reste 5. Allez, on attaque. 3, 2, 1. C'est reparti. Tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Une belle position, bien grand. Et puis on va accélérer progressivement. Voilà, bien verrouillé, une technique qui est propre, et puis on accélère progressivement de plus en plus. Il nous reste 10 secondes, on est presque à fond. 8, 7, 6, 5, on est à fond, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On commence à avoir le rythme, c'est de mieux en mieux. Il nous en reste 4. On souffle un peu, on doit sentir le cardio qui monte un peu. Hein. Et fin de série comme ça. Allez, 3, 2, 1, on est reparti tranquille. 1, ça on peut continuer de récupérer activement au début de la série. 5 secondes, on accélère progressivement. On a 10 secondes, on augmente encore un peu l'intensité. 15 secondes, toutes les 5 secondes, par palier, on peut accélérer. Allez, plus que 10. 9, 8, 7, plus que 5 secondes, on met à fond. 3, 2, 1, et on relâche. Je gratte un petit peu des secondes à chaque fois, on est quasiment à 40 secondes à chaque série, ça fait pas de mal. Il nous en reste 3, on a fait la moitié. On repart en 3, 2, 1. Allez, je reprends tranquille. 4. 5 secondes, on commence à remettre un petit peu plus de rythme. On accélère progressivement. Allez, on a 12, 13, on a 15 secondes. On accélère, 20 secondes, il nous en reste 10. On est presque à fond. 5 secondes, allez, on finit en sprint. 3, 2, 1, et on relâche. Souffle bien en ventile, il nous en reste 2. Attention à garder une position bien confortable, hein, surtout quand on accélère, d'être bien ancré au sol pour ne pas se laisser emmener vers l'avant. 3, 2, 1, on repart tranquille. 1. Voilà. 5 secondes. On accélère progressivement. On a 10 secondes. 15. 20, allez, plus que 10 là, on accélère, plus que 5, allez, on est à fond, on est à fond, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, dernier exercice, enfin, dernière série, pardon, et après on aura 4 fois 30 secondes à allure normale, à allure de croisière. Ok, 3, 2, 1, c'est reparti tranquille. 5 secondes, 10, on peut commencer à remettre un peu plus de rythme, et puis on est bientôt à 15, on commence à accélérer, on est à 20, allez, on met du rythme, les 5 dernières secondes, on est à fond, les pieds bien ancrés au sol, 3, 2, 1, et on relâche, parfait. On va pas souffler tout de suite, on prend 10 secondes et on va repartir sur notre rythme de croisière. 4 fois 30 secondes comme ça. Allez, 3, 2, 1. Voilà, en nage complète, on met le rythme habituel. Donc on est ni à fond,
ni lentement. Pour les plus habitués de l'entraînement, on serait entre SV1 et SV2, donc les seuils ventilatoires si vous avez l'habitude. Je ne vais pas donner de choses beaucoup plus précises, parce qu'on est quand même avec un entraînement avec des élastiques à la maison, donc je ne suis pas certain que on connaisse son SV1 ou son SV2 avec des élastiques, mais voilà, l'idée est là. Donc voilà, plutôt le rythme de croisière, c'est assez facile à suivre. Ok, ça doit faire bientôt 30 secondes. Oh oui, on les a largement dépassés. J'ai bavardé, on a fait presque une minute. Bon, vous avez compris, il y a du rab aujourd'hui. Hein. On a été généreux. Allez, il nous en reste 3. On va prendre 5 secondes de récup en plus, vu qu'on a doublé. Allez, on repart dans 3, 2, 1. Allez, le rythme de croisière. Secondes. On s'applique sur son mouvement, on engage bien les roulis des épaules, on est bien droit, on se grandit, une position fière vraiment. Ça permet d'engager davantage les gros muscles comme les grands pectoraux et les grands dorsaux. On est à 20 secondes, il nous reste 10 secondes. On pense à souffler. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Un peu calme. Il nous en reste 2. Allez, on repart dans 3 secondes. 3, 2, 1. Voilà, toujours bien grand, bien fier. Techniquement, on est attentif au roulis. On fait attention à ne pas casser le poignet, à engager l'avant-bras et la main d'un seul bloc. C'est le coude qui fléchit. Encore 10 secondes, 7, 5, 3, 1, et on relâche. Bien, cette fois-ci on a fait 30 secondes, je crois que c'est la première fois. On n'a pas mis de rab. Ok, dernière, je crois qu'on n'a fait que 3. Dans le doute, on en fait une dernière. J'ai toujours un peu de mal à compter les séries quand je les fais en même temps que vous. On va dire que c'était la troisième et qu'il nous en reste une. Allez, 3, 2, 1, c'est reparti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bien grand, bien fier. Attentif à ne pas casser les poignets. Bien engagé. L'avant-bras, le coude haut, les épaules qui pivotent. On peut éventuellement fléchir un peu les genoux. Mais de l'amplitude, c'est la dernière. Il nous en reste 7. 5, 3, 1, et on relâche. Voilà, c'est parfait. On va souffler un petit peu. Ok. On a terminé pour la partie natation. Ce que je vous propose, c'est pour finir la séance, on va faire un petit peu de gainage. Donc des choses très simples, très basiques, mais des choses qui sont importantes aussi en natation. À ne pas réinventer la roue une fois de plus. Avec des exercices saugrenus. On va faire la planche. Donc là, je pense que vous me voyez bien. Donc la planche sur les coudes. On va le faire de face, on va le faire à gauche, on va le faire à droite et on va le faire à nouveau de face. En tout, ça fera 4 minutes. On va prendre un peu de récup entre chaque. Pour ceux qui sont les plus à l'aise, vous pouvez même ne pas prendre de récupération du tout. Ok, allez, c'est parti. Donc, le dos droit, le bassin en rétroversion, hein, pour bien engager les abdominaux. Et puis, voilà, immobile, on ne bouge plus pendant les 50 prochaines secondes. Je ne sais pas si je vais parvenir à meubler pendant aussi longtemps. Il nous reste 40 secondes. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas creuser le dos. On peut éventuellement chercher à pousser vers l'avant le bassin pour vraiment ressentir la rétroversion. Donc, il s'agit vraiment d'une rétroversion du pelvis. Pour ceux qui ne sont pas au clair avec ça, je vous invite à mettre la vidéo en pause
et aller regarder comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, hein, la vidéo peut s'arrêter et vous pouvez la reprendre au même endroit. Allez, il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche pour ceux qui sont faciles. On va pouvoir se mettre sur le côté ici. Donc là, pareil, on essaye de ne pas creuser au niveau du bassin. On peut éventuellement lever un bras en l'air. On peut mettre son bras comme ceci. L'idée, c'est d'être aligné du coude jusqu'aux chevilles. L'épaule bien à l'aplomb, bien au-dessus du coude. Donc bien droit, on essaie de ne pas se pencher vers l'avant ou vers l'arrière. On peut regarder un point à l'horizon éventuellement. On est à 36 secondes. Moi, je vais lever le bras. Pour être parfaitement transparent avec vous, ça devient un petit peu difficile. Il reste 15 secondes. Donc c'est normal si c'est difficile. Si c'est trop dur, on peut reposer. Il n'y a pas de problème. Il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Toujours pour ceux qui sont à l'aise, on enchaîne. Pas prendre trop de temps de pause. Je me mets dans l'autre sens pour vous voir. Cette fois-ci, on est de l'autre côté. C'est un peu plus facile de ce côté-là. On a toujours un côté plus fort que l'autre. C'est important de le noter. C'est OK. Pas besoin d'être parfaitement égaux des deux côtés. Il reste 30 secondes, un petit peu plus. N'essaie de ne pas creuser le dos, de ne pas faire tomber les hanches jusqu'au sol. On va vraiment rester droit comme un clou. Il reste 10 secondes. Et après, il nous reste une dernière série sur le ventre, donc de face. Hop, on change. Tac. On se dépêche pour se remettre à nouveau sur le ventre. C'est beaucoup plus confortable comme ça. Après, c'est une question d'entraînement aussi. Plus vous le ferez régulièrement, plus ce sera facile. Là, ce qui est intéressant de faire cet exercice de gainage, c'est que ce n'est pas particulièrement intense. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre des poids, on pourrait demander à quelqu'un d'appuyer sur notre dos, etc. Mais pour la natation, ce n'est pas particulièrement intéressant. C'est plus intéressant de tenir et de chercher à allonger la durée, puisqu'en natation, on est plutôt sur un sport d'endurance et un peu moins sur un sport explosif. Et éventuellement, si vous étiez par exemple perchiste et que c'était un sport où il fallait juste sauter au-dessus d'une barre en l'espace de une fraction de seconde, à ce moment-là, ce serait intéressant de mettre plus de poids. Mais pour la natation, il vaut mieux rester avec le simple poids du corps. 3, 2, 1, et c'est fini. Ah, voilà, on a fini, on est venu à bout des 4 minutes de gainage. Donc on a dit 1 minute de face, 1 minute à gauche, 1 minute à droite, et à nouveau 1 minute de face. Pour ceux pour qui c'était très facile et qui veulent un petit peu en rajouter, vous pouvez le faire une seconde fois, il n'y a aucun problème. Pareil pour les séries aérobie, vous pouvez refaire un deuxième tour. Donc l'ensemble de l'exercice et des exercices qu'on a fait sont résumés en dessous dans la description. Vous pouvez les copier et les amener avec vous à l'entraînement, etc. Voilà, et je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore les élastiques, vous pouvez encore en commander, il reste un stock assez limité. Après, ça dépendra quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais au moment où cette vidéo sort, il reste un stock encore assez limité. Donc voilà, vous pouvez les commander. Petit rappel d'explication, aujourd'hui on a utilisé uniquement les plaquettes de nage donc qui permettent la partie natation. Il y a également un kit complet avec deux élastiques supplémentaires donc pour pouvoir mettre davantage de résistance et avec aussi des poignées pour pouvoir travailler des exercices plus proches du renforcement musculaire. On peut travailler par exemple les pectoraux, le dos, on peut travailler les jambes en faisant des squats. Voilà, donc l'entraînement à l'élastique à la maison, pour ceux qui ne peuvent pas aller en salle de sport ou qui n'ont pas envie de le faire, c'est extrêmement efficace, ça marche à peu près aussi bien. Et on a une résistance progressive qui limite quand même les risques de blessure, à condition de bien effectuer les mouvements. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit guide pour vous expliquer comment réaliser l'exercice sans vous blesser. Voilà, bah, bonne séance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, juste en dessous,
ce que vous avez apprécié et ce que vous voudriez voir pour les prochaines séances. Ciao.